J'entends qu'il conviendrait d'abandonner la règle de l'unanimité pour la politique extérieure. Alors courtoisement, mais fermement. Je dis non. Je suis pour l'Europe de l'Est. Je suis pour l'Europe de l'Est. Je ne veux pas sortir d'une Europe de la naïveté pour construire une Europe puissance. Oui, je veux en finir avec cette Europe passoire pour bâtir une Europe qui contrôle ses frontières, une Europe politique et non plus bureaucratique. Et surtout, je défendrai à travers l'Europe les intérêts de la France, car chers amis, notre souveraineté est sacrée. Et comment être souverain si l'État ne l'est plus chez lui? Notre principal défi, c'est de refaire nation. Nous avons une histoire à défendre, un héritage, un mode de vie. Nous devrions être rassemblés et fiers. Or, je vois autour de nous la violence, le mépris, le défaitisme, le séparatisme. Je vois cette insécurité culturelle, ces idéologies fumeuses, ces déboulonneurs de statues, ces petits procureurs de notre passé qui nous divisent de l'intérieur. On ne refera pas nation sans une grande éducation nationale. Je veux une école de l'exigence. L'amour de notre histoire, une école de la langue française, elle qui est notre patrie, disait Albert Camus. Oui, je veux qu'on partage l'amour de notre histoire, car je ne veux plus voir nos enfants se repentir d'avoir eu des héros. Nous avons des pages sombres qu'il faut connaître pour ne pas les répéter, mais beaucoup plus de pages lumineuses qui doivent être célébrées.